l'industrie des contenus vidéo, même si on a des spécificités locales, c'est quand même moins local. Donc notamment les majors américaines ont plus de puissance. Quand il y a un programme comme House of Cards, il s'adresse à tous les utilisateurs dans tous les pays. Là, même s'il y a des marques références internationales type The Economist ou Time, les gens ils vont vouloir lire du contenu français en France et du contenu anglais en Angleterre ou en Italie, du contenu italien. Donc c'est quand même ceux qui ont la prédominance. Donc il faut construire un rapport local avec les acteurs du marché. C'est un rapport de confiance qui prend du temps et qui est d'autant plus difficile qu'il y a une fragmentation bien plus importante dans notre industrie versus les autres industries de contenu. Aujourd'hui, il y a 2000 types de presse grand public. Et dans cette presse grand public, parce que quand on parle de la presse, on dit que c'est un gros marché, il y a la presse professionnelle, la presse grand public. Et dans la presse grand public, il y a la presse quotidienne, la presse régionale, la presse mag. L'usage de la presse magazine n'a rien à voir avec celle des quotidiens et n'a rien à voir avec l'expérience qu'on cherche dans le régional. Donc il faut aussi, en termes de plateforme, pouvoir proposer un produit qui corresponde à un peu ces usages différents et cette expérience différente. Donc nous, notre rapport aux éditeurs, il est simple, c'est un rapport de partenariat qui doit faire face aussi effectivement à ces spécificités de j'arrive à m'adresser à mon consommateur final quand je suis éditeur directement. C'est aussi un modèle économique nouveau, donc qui n'est pas forcément évident à intégrer pour les éditeurs qui peuvent voir facilement de la perte de valeur, alors qu'on voit très bien qu'aujourd'hui, plus on engage l'utilisateur dans le digital, plus on arrive à créer de la valeur dans d'autres domaines que simplement sur le modèle économique traditionnel qui était je vends du contenu et puis j'obtiens une double rémunération à la fois via mon contenu et ma pub. Là, je vends du contenu, l'enjeu c'est surtout de définir une cible premium qualifiée et ensuite de revaloriser cette cible premium à travers l'engagement qu'elle a autour des marques. Donc ça passe par effectivement un modèle d'abonnement parce que c'est un élément d'engagement. Mais derrière, à partir du moment où on connaît mieux l'utilisateur, on va pouvoir mieux lui proposer un certain nombre de choses qui vont au-delà simplement de la lecture. Et je pense que c'est là une des valeurs qu'on apporte à travers la transversalité de notre service.